Dans cette vidéo, tu vas tout connaître sur la prise de masse en musculation. Au cas où tu me connais pas, je suis Quentin, coach sportif et j'aide les hommes qui se trouvent trop maigres à prendre plusieurs kilos de muscle à la maison. Si tu es dans ce cas, j'ai créé une méthode qui va t'intéresser, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Dans ce guide complet, on va parler d'alimentation, de programme de musculation. Tout se fait à la maison sans matériel de musculation, c'est le principe de ma méthode. Je vais te donner des exemples d'exercices, des exemples de repas et à la fin de la vidéo, je te partagerai un conseil bonus qui moi m'a permis de réussir ma prise de masse en musculation plus rapidement et que la plupart des débutants ont tendance à trop négligé. On passe tout de suite à la première dimension qui est l'alimentation. Pour la nutrition, la première question à se poser, c'est combien de protéines dois-tu consommer chaque jour? Pour rappel, les protéines permettent la reconstruction et la récupération musculaire. En gros, si tu ne consommes pas de protéines, tu ne vas pas prendre de muscle. Et pour les chiffres, c'est hyper simple. Tu vas devoir consommer entre 1,7 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Et chaque jour. Par exemple, si tu fais 60 kilos aujourd'hui, tu vas devoir consommer entre 102 grammes et 120 grammes de protéines chaque jour. C'est un chiffre qu'il est essentiel d'atteindre si tu veux réussir ta prise de masse. Parallèlement, aller au-delà de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, c'est pas nécessaire. Déjà, il va arriver un moment où ton organisme ne va plus réussir à assimiler le surplus de protéines. Et en plus de ça, abuser de l'apport en protéines, c'est pas intéressant d'un point de vue santé. Mais tant que tu te situes dans ces chiffres-là, tu es sur la bonne voie. Idéalement, les protéines sont mieux assimilées quand on fait plusieurs repas. Donc, je te conseille de faire par exemple 4 repas plutôt que 2 gros repas. Inutile de dépasser les 5 repas par jour. Et au-delà de ça, garde en tête que le plus important concernant les protéines, c'est le nombre de protéines que tu consommes chaque jour. Si d'un point de vue logistique et d'un point de vue confort, tu préfères faire 3 repas par jour, sache qu'il n'y a rien de grave tant que tu consommes suffisamment de protéines chaque jour. La deuxième partie de cette dimension alimentation, combien de calories dois-tu consommer? Alors là, c'est simple. Si tu veux prendre du poids, il faut être en excédent calorique. Si tu veux perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Clairement, en prise de masse, on va viser un excédent calorique. Concrètement, tes apports caloriques vont être supérieurs à tes dépenses caloriques. En d'autres mots, tu vas devoir consommer plus de calories que ton métabolisme de base, qui est le nombre de calories avec lequel tu ne vas ni prendre du poids, ni perdre du poids. Pour connaître ton métabolisme de base, il existe beaucoup de formules, dont la célèbre formule de Harris Benedict. Sur le plan théorique, tu peux aussi partir sur 50 calories environ par kilo de poids de corps, ou tu peux utiliser tout simplement des applications. Quoi qu'il en soit, le chiffre que tu obtiens au départ reste un chiffre théorique que tu vas devoir adapter avec le temps. En plus de te faire prendre du poids, cet excédent calorique il est très intéressant pour avoir plus d'énergie, notamment durant tes entraînements, puisque tu vas devoir suivre des entraînements intensifs, mais ça je vais en reparler plus tard dans la vidéo. Et en plus de ça, cet excédent calorique il optimise la récupération. Et je sais que la plupart de mes élèves, avant de commencer ma méthode, ne consomment pas assez de calories. Du coup, la question qui se pose, c'est quel excédent calorique dois-je viser? Alors sache que si tu veux prendre du poids, mais prendre surtout du muscle et non du gras, ce qui est la façon la plus saine de prendre du poids, il faut viser un excédent calorique entre 250 et 500 calories. Ça va te permettre de prendre, si tu es dans les bonnes conditions, entre 1 et 2 kilos de muscle par mois. Ne dépasse jamais ces chiffres-là, car la prise de muscle est un processus lent. Et si tu exploses tes apports caloriques pour atteindre un excédent calorique de 700 ou 900 calories, résultat, tu vas surtout prendre du gras et non du muscle. Non seulement c'est mauvais pour la santé, mais en plus d'un point de vue apparence, c'est pas intéressant du tout. Troisième question qui se pose concernant ton alimentation, maintenant que tu sais le nombre de protéines que tu dois consommer chaque jour, c'est comment répartir le reste de ces macronutriments. Pour rappel, les macros sont les protéines, mais aussi les glucides et les lipides. La bonne nouvelle, une fois que tu sais le nombre de calories et le nombre de protéines que tu dois consommer chaque jour, c'est que la répartition entre les glucides et les lipides est d'une importance mineure. Autrement dit, à toi de choisir les aliments que tu préfères, entre les glucides et les matières grasses, pour atteindre ton objectif en termes de calories et aussi en termes de protéines. Garde toutefois en tête si aujourd'hui tu es un homme ectomorphe et que tu as du mal à prendre du poids et du muscle, car poids égal, les lipides sont plus caloriques que les glucides. Pour 1 gramme de lipides, on a 9 calories, alors que pour 1 gramme de glucides, on a 4 calories. Pour rappel, si tu veux rester en bonne santé, pour les glucides, je te conseille de te tourner vers les féculents, mais d'éviter les sucreries et les aliments industriels. Et pour les matières grasses, je te conseille les matières grasses saines, comme c'est le cas du poisson gras, des oléagineux, ou encore des bonnes huiles, comme l'huile d'olive ou l'huile de noix. Dis-moi d'ailleurs en commentaire quel est ton objectif et combien de kilos tu souhaites prendre. J'ai bien envie de savoir et je réponds à tous les commentaires. La quatrième question qui se pose pour la nourriture durant la prise de masse en musculation, c'est dois-je continuer à consommer des fruits et des légumes? Car oui, sur le papier, les fruits et les légumes, surtout les légumes, sont des aliments très peu caloriques, principalement constitués d'eau. Et quand on cherche à augmenter ses apports caloriques, on pourrait se dire que sur le papier, c'est pas forcément intéressant d'en consommer. Alors certes, durant la prise de masse, il va pas falloir en abuser, sinon tu vas tout le temps te couper l'appétit sans consommer de calories et sans consommer de protéines. Mais en même temps, les arrêter complètement, c'est une grosse erreur. La raison, pour faire simple, c'est que les protéines ont un effet acidifiant sur l'organisme. Et si ton organisme est trop acidifié, tu risques plusieurs problèmes de santé, à commencer par des blessures et des douleurs articulaires. Si tu consommes beaucoup de protéines, ce qui est le cas en prise de masse, il faut donc continuer à consommer des aliments basifiants qui vont réduire l'effet acidifiant des protéines. Et pour ça, tu as notamment les fruits et les légumes. Dans ton assiette, garde donc toujours une portion de légumes et n'hésite pas à consommer au moins un fruit durant chacune de tes collations. Je te partage maintenant un exemple de repas qui est à la fois une recette hyper simple pour la prise de masse en musculation, mais qui est un repas très sain, riche en protéines et riche en calories. Pour ça, tu peux prendre par exemple 200 g de saumon, ce qui fait environ 300 calories, 100 g de riz basmati cuit, ce qui fait environ 120 calories, 100 g d'avocat, ce qui fait environ 165 calories. Tu peux aussi rajouter une cuillère d'huile d'olive, ce qui rajoute presque 100 calories, et tu peux prendre 30 g d'amandes au dessert, ce qui fait 170 calories. Le tout est très sain, riche en protéines,
protéines riches en calories pour un total d'environ 850 calories. Passe maintenant à la dimension musculation. Et le premier conseil pour ton programme de musculation, c'est de suivre des entraînements intensifs avec des charges lourdes. Dans tous les programmes de muscu sans matériel que je donne à mes élèves, ce sont des séances qui ne dépassent jamais 30 minutes, mais qui sont hyper intenses. Ce sont des séries globalement comprises entre 8 et 12 répétitions avec une charge lourde pour arriver soit à l'échec musculaire ou presque à l'échec musculaire. Selon la séance du jour, le temps de repos il est d'environ 1 minute, et notamment si tu es débutant, c'est avec ce genre d'entraînement intensif que tu vas prendre du muscle rapidement. Le deuxième conseil de cette dimension musculation, c'est d'intégrer à ton programme de muscu principalement des exercices polyarticulaires. Ce sont des exercices qui sollicitent plusieurs articulations et donc plusieurs groupes musculaires en même temps. Je parle notamment du squat, du soulevé terre, du développé couché, du tirage. Pour rappel, en muscu on a les exercices polyarticulaires qui sollicitent plusieurs groupes musculaires et les exercices d'isolation qui sollicitent un seul groupe musculaire. L'avantage dans ma méthode, c'est que tous les exercices polyarticulaires se font soit au poids du corps, soit avec un sac de sable, mais dans tous les cas sans matériel de musculation. Ce sont les exercices les plus efficaces, avec lesquels tu vas pouvoir mettre le plus lourd, avec lesquels tu vas solliciter le plus de muscles et avec lesquels tu vas prendre de la masse le plus rapidement. Un exemple de séance de muscu pour un programme pour ectomorphe, ce serait par exemple 3 séries de 10 répétitions aux pompes, 3 séries de 10 répétitions au tirage, 3 séries de 10 répétitions au tirage biceps et 3 séries de 10 répétitions au squat. Cette semaine, j'ai d'ailleurs fait une vidéo hyper détaillée sur cette séance, autant sur le plan théorique que sur le plan pratique. Tu peux consulter la vidéo en cliquant ici. Maintenant que tu sais comment constituer ton programme alimentaire et ton programme de musculation à la maison, je te partage un conseil bonus. C'est un conseil que la plupart des débutants durant leur prise de masse en musculation négligent. Et ce conseil, c'est d'optimiser ta récupération. Certes, les deux principales dimensions pour prendre de la masse et pour prendre du muscle, c'est l'alimentation et l'entraînement. Mais n'oublie pas que les muscles grossissent au repos. L'entraînement va déchirer des fibres musculaires, mais c'est au repos que ton organisme va les reconstituer pour constituer des muscles plus puissants. Il est donc essentiel de prendre plusieurs jours de repos par semaine. C'est également une des idées clés que je détaille dans ma méthode. Et il faut aussi avoir un sommeil de qualité. Je te conseille de dormir au moins 7 heures par nuit, dormir sur un matelas de qualité, à l'abri du bruit et à l'abri de la lumière. Si tu appliques tous ces conseils de musculation pour ta prise de masse, qui sont d'ailleurs applicables à la maison et sans matériel, tu as ma parole que des kilos de muscles tu vas en prendre. Et si tu veux approfondir pour prendre de la masse encore plus rapidement, n'oublie pas de télécharger gratuitement ma méthode en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, comme d'habitude, lâche un gros pouce bleu, ça me fait archi plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos, autant sur les entraînements à la maison que sur la nutrition. N'oublie pas de me dire en commentaire quel est ton objectif et combien de kilos tu souhaites prendre. Et partage cette vidéo avec un ami à toi qui a besoin de prendre de la masse. Moi je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao.